Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Et je suis navrée, je sais, vous n'avez pas eu de vidéo depuis un petit moment, mais j'avais pas trop la foi en ce moment de faire des vidéos parce que voilà, je suis pas tellement bien en ce moment. Je dors pas beaucoup, voilà. Et puis bon, ben, il fait super chaud, c'est l'été, on s'est absenté, on a déménagé Jade, enfin voilà. Et puis, ben, du coup, là, je vais essayer de reprendre mes vidéos plus. Un peu plus soutenu parce que bon, ça y est, je vais reprendre parce que ben, ça me manque quand même à un moment donné. Donc voilà, ben, là je voulais vous refaire une vidéo parce que j'ai reçu des papiers de mon partenariat avec la société de Stéphanie Stephen Scrap. Du coup, je vais vous présenter ce qu'elle m'a envoyé. Donc ben, elle m'a envoyé cette petite boîte rouge pour mettre les découpes. Donc ça, c'est top. Comme ça, je vais pouvoir toutes les découpes que je vais faire de ces blocs, je vais les mettre dedans. J'arrive pas à la refermer, je ne veux pas la casser. Voilà. Ça se referme tout seul. C'est moi qui ai juste peur. Donc elle est quand même assez grande. J'ai des découpes là, qui sont déjà faites pour un autre tuto. Vous voyez, ça rentre. On peut en mettre plein. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ben, ça c'est la petite boîte. Elle mesure. Est-ce que j'ai un... Ouais, c'est ça. Elle mesure 17 cm à peu près sur de profondeur 3 cm. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi mettre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est ma petite boîte pour mettre mes découpes. Ensuite, elle m'a envoyé des papiers. Alors, le premier papier, c'est de la collection Fendi Trading. C'est pour travailler beaucoup avec cette marque. Et du coup, là, c'est Lemon Even Création Braise. Alors, du coup, que des citrons, des citrons, des citrons sur un fond vintage bleu. J'aime beaucoup. Vert et tout. C'est super joli. Cette page, elle est trop belle. Là, avec plein de petits citrons. Vous avez celle-ci avec le pot et le citronnier. C'est très été. Hein. C'est plein de peps. J'aime beaucoup. Un beau cerf-volant. Là, ici, vous avez le fond avec des pois. Des pois. Des petits pois. Un tartan. C'est beaucoup. C'est joli. Hein. J'ai déjà encore une nappe de pique-nique. Mais... je vais pas le dire parce que, enfin si, je l'ai dit quand même, mais c'est pas grave. Ici vous avez ce fond qui est très joli. Ici vous avez le parasol, parce qu'on va pas dire que c'est un parapluie, hein. C'est un parasol avec des citrons. J'aime beaucoup, hein. C'est vraiment très joli. Vous avez celle-ci, ça fait un fond bois un peu. Là, oh, très joli. Théière. Je vais regarder si ça reprend une théière avec des citrons. Elle est belle. À la limite, je préfère cette page. Ici, avec un pot avec des citrons. Des écritures et tout. Ah, c'est super. C'est très. Puis ça reprend, je crois. Ouais, ça reprend. Et ici, bleu. Et donc, vous avez trois fois les mêmes même lots de feuilles. Donc attendez, c'est marqué 18 double stage sheet et de 170 grammes de 20,3 sur 20,3. Je n'avais pas vous donner les mesures. Et à la fin, comme d'habitude, sur ces albums, vous avez des petits die cuts à découper. Vous voyez? Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ici, vous avez des petits tags. Et là, vous avez des cercles. Avec un rappel de ce qu'il y a déjà dans les feuilles de l'album. Vous avez la théière qui est là. Elle est là. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier bloc de papier. Ici, vous avez le fond, des fonds, des papiers de fond de carte. Donc là, vous l'avez en jaune, jaune Pepsi. Un peu moutarde, ça. Moutarde à l'ancienne. Vert pâle, vert foncé, lilas, lilas foncé, bleu ciel,
celle un peu plus soutenue, bleu, bleu marine, bleu très foncé, et de nouveau. Donc ça c'est pareil, vous avez 12 feuilles, 12 double side sheet, 12 couleurs de 170 grammes. Et vous voyez, vous les retrouvez sur la première page, comme sur celui-ci, vous retrouvez sur la première page, ok. Là vous avez au dos tout ce qui va avec cette collection. Donc vous avez des tampons, les fameux pochoirs à découper vous-même, et vous avez aussi des die cuts que j'en ai quelques-uns ici, je vais vous les présenter. Et vous avez des matrices de coupe. Donc ici vous avez un vélo, je pense, un le cerf-volant et d'autres matrices, et ici des tampons. Voilà. Et puis bah, les couleurs qui sont ici. Ensuite, du coup, elle m'a envoyé avec cette collection les die cuts à découper. Je sais pas quoi faire de ça. Je prends ça. Oupsie. Voilà, ça s'est sauvé. Je suis en train de vous faire une carte aussi, mais je l'ai pas fini, il faut que je la reprenne. Alors, en die cut, vous avez à monter, comme vous savez, hein, toujours 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est des die cuts à monter en 3D. Donc ici, vous avez une balance, le pot avec le citronnier et le pot avec les citrons à l'intérieur. Ça, on le retrouve dans le papier, et elles sont déjà pré-découpées. Vous avez juste à détacher et à monter avec votre mousse 3D. Donc, Fendi, Lemon, c'est toujours 3D sheet. Voilà, vous avez celui-ci. Ensuite, vous avez celui-ci avec la théière. Les tasses sont dans le panier en bois avec les citrons dedans. Et ici, encore une tasse. J'aime beaucoup, hein. C'est très joli, c'est frais. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez celui-ci avec le cerf-volant, la carafe pour faire de la citronnade et l'oiseau. J'aime beaucoup. C'est très, très joli. On va faire une carte avec, hein, parce que franchement, c'est très beau. C'est très frais, c'est très... Il y a le peps. Moi, j'aime beaucoup. Toujours. Et ensuite, vous avez celui-ci avec le panier en osier, le vélo et le parasol. Le parasol qui a mis ses petits citrons à l'abri. J'aime beaucoup, c'est trop joli. Et ensuite, pour cette collection, et pour finir, elle m'a mis le bouquin comme la dernière fois. Donc là, je vais mettre une pochette. Et on va essayer de pousser ces chansons. Alors, ici vous avez des matrices. Une matrice, j'ai pas détaché ça, m'a abîmé mon bouquin. Non, tant pis. Je détache après la vidéo. Ici vous avez une matrice pour monter une petite tortue. Et trop rigolote. C'est trop joli. Pourquoi pas l'ajouter, hein. On regardera ça après. Alors, ici vous avez. Du coup, ça reprend la collection Lemon. Oui, et ici je vous montre les cartes que vous pouvez faire avec cette collection. Donc, je sais pas si vous voyez bien, hein, parce que là, voilà. Vous voyez, ça c'est pour faire des petites boîtes. Ce dice, vous pouvez faire des petites boîtes avec, c'est rigolo. Et là vous venez couper l'intérieur de votre carré, c'est marrant, très beau. Vélo. Le cerf-volant, ça vous donne vraiment des idées de cartes, hein. Vraiment sympa. J'aime bien ça. J'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime beaucoup. C'est une autre collection. C'est la collection. Je sais pas, je vois pas trop.
Là, vous avez des cartes sur Noël. C'est trop joli. Des idées. C'est vrai qu'on a vite arrivé. Hein. Dans septembre, on prend l'école. Et puis, ben, après, vacances d'octobre, vacances de Noël, ça va aller vite. L'année va encore défiler. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ça donne des belles idées. Hein. C'est très joli. La petite tortue avec un, vous voyez là il y a des un hôtel avec un parapluie, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Oh la petite petite le tournesol, je suis fan. Oh, c'est trop beau. Oh, grosse décoration. Ah ben tiens, regardez, on retrouve mes fameuses valises. On peut refaire avec. Il y a encore des exemples de cartes qu'on peut faire avec. C'est trop bien. Ça aussi, le pochoir gelé. C'est bien parce qu'ils reprennent des anciennes collections et vous redonnent encore des exemples de cartes que vous pouvez faire avec une ancienne collection. C'est top, moi j'aime beaucoup. Là, la vente, là, c'est trop beau. Parce que la vente, c'est du lilas. Je vais être en même temps que vous, hein, c'est à découvrir. J'aime beaucoup. Ça, ça doit être cousu. Ça, c'est un peu moins mon style parce que c'est très enfantin, mais pourquoi pas. Hein. Why not, être les imbéciles qui changent pas la vie. Et ensuite, il y avait celui-ci dedans. Alors, ah, vous avez le gabarit pour faire la boîte. Et ici, vous avez des exemples. Là, vous avez encore un exemple de carte à faire. Là vous avez une autre collection avec un fond derrière, mais pourquoi pas les découper, les utiliser. Là vous avez l'oiseau pareil. À monter. Ici vous avez Ruby Christmas. Tiens, avec les cloches, elle est belle la cloche. Faut juste détourer quoi. Et puis ben là, vous avez de nouveau les Mon Paste. Donc là, ça vous remonte un peu toutes les collections qu'il y a plus ou moins dans... Enfin, toutes. Certaines collections qu'ils ont dans leur marque. L'arrière, elle est jolie. Là, vous avez ça. Ici, vous avez des exemples encore. Et là, vous avez de nouveau une carte, un patron de carte. Ça, c'est pour faire, vous savez, de la couture là, du ah, comment ça s'appelle, du brodage, de la broderie. Moi, je suis pas d'un doué là-dedans, mais bon, why not. Hein. Et là, vous avez une autre collection, la collection, une collection pour de Noël. Voilà, donc ça, c'est ce qu'elle m'a envoyé. Cette semaine, sachant que mon code promo a changé, mon code promo n'a pas changé. C'est le pourcentage de comment dirais-je, de réduction qui a changé sur les nouvelles collections uniquement, sur la sur les nouveautés, pas sur ce qui est déjà en solde, mais sur les nouveautés, vous aurez
une réduction que je vous mets là parce que je me souviens plus combien c'est, je crois que c'est 15%, jusqu'à une date bien définie, je crois que c'est le 25 août. Il faut que je revérifie, mais je vous mettrai tout en incrusté ici. Vous aurez une réduction avec mon code promo. Et voilà. Donc, et je crois, et je me rappelle bien ça par contre, que c'est sur les nouveautés. Et je crois que c'est bien 15%. Et je suis quasi sûr que c'est jusqu'au 25 août. Mais il faut que je vérifie et je vous remettrai tout en petit encart ici, là, sur le côté. Comme ça, vous aurez tout. Vous ne pourrez pas vous tromper. Je reprends le chemin de mon scrap bureau. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, dans la véranda, il fait vite 40 degrés avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Donc, j'essaie de filmer le matin de bonne heure ou le soir. Voilà. Et puis, là, j'ai une carte à vous finir. J'avais commencé il y a un certain temps, mais on a eu des soucis. Donc, j'ai pas repris. Faut que je la termine. Elle est là. Vous voyez. Et puis, voilà. Bon, écoutez, avec tout ça, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, surtout, n'hésitez pas à aller sur son site. Steph, elle est géniale. Elle risque d'avoir un petit peu de retard pour les envois en ce moment parce qu'elle est en vacances. Mais je sais qu'elle va faire au mieux dès son retour. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.